Épiterre est une marque. Épiterre, tout part de la terre. Nous voulons ainsi montrer que les agriculteurs sont des producteurs de biodiversité et qu'ils peuvent contractualiser avec des collectivités, des entreprises pour produire de la biodiversité et la monétiser. L'avantage de ce partenariat, c'est d'arriver à mettre en avant la technicité donc de la FNSEA sur l'approche juridique, puisqu'en effet, quand on parle de contractualisation, la contractualisation s'effectue dans un temps long, entre 5 et 30 ans. Donc aussi, il faut savoir laisser le temps au temps et faire en sorte que l'agriculteur ou le signataire, aussi bien dans le domaine privé que public, ait une garantie de bonne efficience de la convention ou du partenariat qui se mettra en place. C'est pour cette raison que le partenariat dans le cadre de la marque Épiterre avec la FNSEA, son savoir-faire, ses réseaux, et nous au niveau d'Imagine Rurale avec notre savoir-faire et notre technicité, ne peut qu'aboutir qu'à une totale réussite. Nous allons avoir un guichet unique par département où les agriculteurs pourront s'adresser, mais aussi les entreprises, les collectivités, pour construire ensemble des cahiers des charges où on indiquera qu'est-ce que les agriculteurs vont faire en termes de production de biodiversité, comment ça sera mis en place, évalué et rétribué aux agriculteurs. La biodiversité est un bien commun, tout le monde en parle, les agriculteurs en font beaucoup mais le disent peu. Nous voulons, nous, avec notre réseau d'agriculteurs en territoire, repenser des projets locaux avec d'autres acteurs et montrer que la richesse de la biodiversité, elle est d'abord sur les terres agricoles et forestières et que nous en sommes des producteurs. Bien sûr, ça a une valeur et les agriculteurs se sont appropriés ces sujets. Nous ne sommes pas sur la défensive, mais nous sommes vraiment proactifs aujourd'hui sur ces sujets. Épiterre, FNSEA et Imagine Rural l'ont pensé pour cela. C'est une action très concrète que nous voulons déployer.